Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vous le voyez, j'ai préparé un setup très intéressant avec une cuve de chez Gestion Hante, un nid de chez Gestion Hante, et vous le voyez, ça m'a l'air plutôt sympa. Alors, c'est une espèce qui va vous plaire, c'est une certitude, on a bien entendu mis de l'anti-évasion sur les pourtours, et vous allez découvrir ça dans un instant. C'est donc Arpeniatos venator, qui est donc l'espèce de cette vidéo, et donc que j'ai et je possède maintenant à la maison de nouveau. Souvenez-vous, si vous êtes là depuis longtemps, j'avais déjà reçu à l'époque de chez Hans HQ des Arpeniatos venator. J'avais d'ailleurs reçu deux reines, malheureusement celle-ci était décédée une semaine après. Le transport avait été vraiment délicat, envoyé, je le rappelle, durant l'hiver, même avec un pack, je vais dire, de chauffant, c'est vraiment, vraiment, vraiment délicat. En plus du stress, etc. Bref, j'aimerais faire tout de suite un disclaimer vous annonçant que je ne conseille pas cette espèce aux débutants, ni même aux personnes en jeune âge, parce que effectivement c'est une espèce qui pique, donc il peut y avoir des répercussions. Certes, elle n'est pas connue pour infliger des douleurs vraiment importantes ou être extrêmement allergène, cependant on ne connaît pas non plus de quoi vous êtes fait et comment vous allez réagir. Donc vraiment, je tiens à vous informer qu'il faut faire attention si vous prenez ce type d'espèce. Cette espèce que vous avez sous les yeux, je l'ai achetée, je ne l'ai pas reçue d'une boutique quelconque ou quoi que ce soit, donc bien entendu, je ne veux pas vous dire, voilà, c'est trop bien, faut foncer, hein, loin de là. Bref, cependant, je sais que c'est une espèce qui fascine beaucoup de monde, et j'ai eu la chance dernièrement de voir d'ailleurs Arpeniatos saltator, hein, qui est donc d'une coloration plus jaunâtre, orangée, bref, elle est magnifique, c'est plus ou moins la même chose en soi, mais la coloration change, et la rareté également, bref. Dans cette colonie, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux reines. Et vous allez voir qu'il y a déjà... je vous montre une petite chasse, hein, bien entendu, pour vous régaler et vous mettre juste dans l'appétit, parce que restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, vous allez en voir plusieurs des chasses, j'ai mis différents insectes, notamment pour les nourrir, bref, on va en reparler. Et donc, comme vous allez le découvrir dans cette vidéo, sous cette feuille, j'ai une de mes reines qui reste dans cet endroit. Et l'autre reine se trouve déjà dans le nid avec une grosse quantité d'ouvrières. Alors c'est hyper intéressant parce que... ben, les deux ne se sont pas rassemblés, elles l'étaient au préalable, mais visiblement, pour l'instant, il y en a une qui a élu domicile sous cette feuille, et l'autre est dans le nid. Bon, c'est plutôt intriguant. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une énorme colonie, on est sur 80 ouvrières minimum, c'est assez incroyable, deux reines, donc ça régale, vous connaissez un peu l'espèce. Il y a des cas de Gamergate également, où donc je vais pas vous répéter ce que c'est Gamergate, je vous laisse taper sur internet directement, mais ça aussi c'est fascinant. C'est une colonie qui malheureusement m'est arrivée avec très peu de couvains, il y avait quelques œufs et quelques larves, donc même, vous allez le voir dans les images, mais c'est vrai que vous n'allez pas bien voir en détail le couvain, ce qui est très faible pour une colonie de cette ampleur, donc on croise les doigts que ça reparte bien, hein, tout simplement. Pour les nourrissages, j'ai donc choisi de leur mettre deux blattes mortes dans un premier temps, parce que bon, j'ai pas envie de les stresser dès leur arrivée. Cependant, des images qui ont été filmées un peu plus tard, vous allez voir directement des grillons, je vous spoil, hein, et donc là, elles vont s'atteler à ce qu'elles savent faire, chasser notamment, parce que oui, Arpeniatos venator a une vue vraiment, vraiment plutôt bien développée, et donc ça lui permet d'observer, de voir tous les mouvements autour d'elle notamment. Alors, ce ne sont pas non plus des Gigantiops destructeurs, hein, qui ont vraiment la vue la plus développée à l'heure actuelle chez les fourmis, mais ça leur permet tout de même de bien vous voir, vous repérer. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que il suffit de déplacer votre doigt à proximité d'une ouvrière à l'extérieur de l'aire de chasse, hein, pour ne pas vous faire attraper et piquer, bien que pour moi, ce n'est pas une espèce extrêmement agressive envers l'homme, elle a plutôt tendance à fuir, bon bref. Mais voilà, je vous déconseille de le faire tout de même. Mais vous allez voir cependant qu'elle va vous suivre du regard et elle va bien entendu vous capter. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je rebondis sur ce film rouge qui est au-dessus du nid. Je l'ai mis parce que je souhaite qu'elles aient une certaine aisance lorsque j'enregistre. Mais je vous assure et je pense que ce filtre rouge ne sert pas à grand chose en soi. Elle voit très bien en travers. Je ne peux pas l'affirmer à 100%, mais je pense que, vu que j'ai tenté en déplaçant mon doigt au-dessus, que certaines m'observaient, donc bon, bref, vous voyez un peu l'idée. Et ça, ce sont les petites cartes que j'ai fait, elles sont plutôt stylées. Et si vous scannez le QR code, bien entendu, ben, vous pouvez vous abonner. Donc si vous êtes sur télé, n'hésitez pas.
Je vais vous montrer tout au long de cette vidéo, sur une multitude d'images, toute la colonie, son étendue, le nombre, etc. Là, elles sont en train de s'alimenter, donc elles sont tellement affamées qu'elles sont en train de tout simplement se nourrir des blattes, hein, vous allez voir. J'ai bien entendu depuis lors bien nourri, et je croise vraiment les doigts pour que celle-ci reparte de plus belle. Il faut savoir que ça se trouve le nid est un peu grand, mais vu que c'est une espèce qui est quand même grande, lorsqu'il y aura le couvain, des cocons, parce que oui je suis ambitieux, ça devrait bien remplir les espaces en soi, et si la deuxième reine avec sa troupe d'ouvrières en extérieur décide de rentrer, effectivement là à ce moment là on aura quand même, je veux dire, pas mal de monde à l'intérieur. Gestion Ant, donc, qui a créé ces produits, si vous voulez les retrouver, ben, vous pouvez le faire via Facebook, je mettrai le lien dans la description, donc vous pourrez directement vous rendre compte de ce qu'il fait, etc. Bref, il a également sorti un site, j'en profite, hein, pour vous l'annoncer, je mettrai également le lien, donc ce sera à votre plaisir d'aller consulter, hein. Il n'a pas sponsorisé cette vidéo, hein, il m'a pas envoyé les produits gratuitement. D'ailleurs, petite information, l'air de chasse, c'est un produit de chez Gestion Ant que Viking Ants m'a offert, donc vous voyez un peu l'idée. Et le nid, c'est un échange que j'ai fait avec Gestion Ant directement. Mis à part ça, qu'est-ce que je peux vous dire sur elle? Ben, en nature, c'est une espèce qui, en général, on peut remarquer leur nid avec une sorte de cavité assez importante. Donc, en soi, on va voir un trou en extérieur avec, bien sûr, de la terre sortie. Hein, et ce trou aura un diamètre de 2-3 cm par moment. Et en sous terre, on aura des cavités assez particulières qui sont en fait... comme si c'était des étages d'une maison, vous voyez un peu l'idée. Alors bien entendu, ce n'est pas toujours comme ça, mais de ce que j'ai pu lire et voir, en général, c'est leur façon de créer justement leur nid, donc c'est hyper intéressant. Alors, je ne suis pas un expert dans ce domaine, je ne suis pas myrmécologue, j'ai aucune prétention sur toutes les choses que je peux vous dire, donc... toutes les informations qui sont données dans cette vidéo ne sont pas à prendre en mode garantie pure et dure, bien entendu. Alors, bien entendu, dans cette aire de chasse, je vais ajouter des choses. Prochainement, il y a des colamboles qui arrivent pour, bien entendu, s'occuper de tous les déchets que l'espèce va engendrer, sachant que c'est quand même une espèce cracra en général. Il y a également d'autres détritivores que je vais ajouter. On verra comment ça se passe, si ça se passe bien entre les deux ou pas. On a également des feuilles, hein, je vais ajouter des feuilles. Là, dites-vous que j'en ai plus, tout simplement. Donc, je vais ajouter des feuilles prochainement. Là, j'en ai juste une ou deux que j'ai déjà mis à l'intérieur, mais c'est un peu faible. J'ai fait un mélange de substrats différents, donc on a une partie qui est un peu un mélange de comme de l'excavateur, de la tourbe, etc. Et on a une partie où c'est tout simplement du redstone sand, donc qui n'a rien à voir avec leur domaine ou leur milieu, on va dire, mais ce sable un peu désertique, un peu spécial, en fait, si on l'humidifie bien, on peut en faire une sorte de cavité directement, c'est-à-dire que si je veux m'amuser, ben, je mettrai un arrondi devant l'entrée, je l'humidifie, je fais comme une pâte, et ensuite ben, ça va rester une fois sec, ça va ne plus bouger. Donc je me dis que potentiellement elle pourrait utiliser ne fût-ce que les cailloux à l'intérieur, etc. pour fermer éventuellement l'entrée du nid. Est-ce qu'elles vont le faire? Je ne sais pas, mais si vous regardez les images, elles ont déjà fait une accumulation de ces cailloux devant l'entrée. Pas vraiment à l'entrée même, mais juste devant. D'ailleurs, sur l'image ici, on voit le petit tas. Ça, c'est elles qui l'ont fait. Moi, j'ai absolument rien fait dans l'histoire. Donc ça, c'est déjà hyper intéressant. Bien sûr, comme je le disais, voilà, hein, si vous êtes débutant, je vous les recommande pas du tout. C'est vraiment pas évident non plus dans le maintien. Mais en fait, je pense surtout que la problématique avec l'espèce, c'est les acariens. Une fois que, si vraiment il y a des acariens qui arrivent dans la colonie, ça peut vite devenir un problème, mais il faut s'en rendre compte très vite. Et ça, c'est pas le cas de tout le monde. Enfin, tout le monde n'observe peut-être pas correctement sa colonie, et donc si ça se développe un peu trop, ça peut devenir chaotique. Et comme je le dis, bien entendu, il y a du taurus, hein. Le taurus est une lutte biologique en soi, parce que ce sont des acariens chasseurs d'acariens, donc en soi ils vont se nourrir justement des pontes des acariens détritivores, ou suceurs notamment, et aussi se nourrir des acariens eux-mêmes, donc ça c'est hyper intéressant. Je vous le dis d'ailleurs que dans la prochaine vidéo, on aura l'ajout des feuilles, l'ajout des colamboles, mais également l'ajout de taurus en prévention, tout simplement pour moi être sûr et certain que tout se passe bien dans cette colonie, qu'il y ait déjà un petit clean si nécessaire, et de toute façon, je le fais une à deux fois par an dans toutes mes colonies, donc le taurus servira également
de prévention, comme je le disais toujours dans mes colonies. Personnellement, ce n'est pas obligatoire de faire ça, hein, loin de là, mais c'est un truc que moi j'apprécie faire parce que ça me réconforte dans l'idée où je suis certain qu'après le passage du taureau, généralement il ne reste plus rien de problématique en termes d'acariens, détritivores ou suceurs. Bien que, vu le nombre de vidéos que je fais sur toutes mes espèces, je verrai s'il y a un problème quelque part, mais bon, on ne sait jamais, vous voyez un peu l'idée. Des colonies de cette taille, je vous avoue que c'est pas courant hein, d'avoir aussi, enfin, autant d'ouvrières. Généralement, vous allez pouvoir trouver assez aisément, je vais dire, une reine ou deux potentiellement avec une vingtaine, trentaine d'ouvrières. Ça, c'est vrai qu'on peut les trouver couramment. Ce qui est bien aussi pour s'assurer de la bonne santé, c'est de recevoir avec justement du couvain de tout stade. Hein. Ça, c'est vraiment c'est le top du top, je vais dire, en termes de qualité. Moi, ici, j'en ai pas actuellement. Comme ma première expérience, j'en avais pas trop non plus. Mais bon, on croise les doigts. Mais depuis, je vais dire, j'ai acquis aussi de l'expérience. Comme je vous le dis, moi, j'ai aucune prétention. Je m'estime toujours débutant dans le domaine, dans l'élevage. Et je me dis que, cependant, je me donne les moyens de faire le maximum pour que ça se passe bien. Donc quand je parle de ça, j'envisage que ce soit les coûts pour les achats en termes de matériel, en termes de besoins comme le torus notamment, etc. Le thermostat, le tapis, enfin vous voyez un peu l'idée. Je pense que en réalité, il n'y a pas une difficulté précise. J'entends par là que si on se donne les moyens, c'est totalement réalisable. Mais voilà, je le déconseille quand même fortement aux débutants, et notamment aux personnes en jeune âge. Hein. Si vous êtes encore chez vos parents, notamment, que vous n'avez pas encore 18-20 ans, moi j'éviterais tout simplement de prendre ce genre d'espèce. Je le dis, je peux me répéter, mais c'est une espèce qui pique. Vous ne savez peut-être pas comment votre corps réagit justement aux piqûres d'insectes. Je vais dire, une grande partie de la population n'aura pas de problème avec une piqûre d'insectes, mais on ne sait jamais que vous fassiez partie de cette de cette infime partie de la population qui le vivrait mal. Donc voilà, soyez quand même prudent, et même si certaines espèces sont très attirantes, parce que voilà, elles sont là, elles chassent, etc., c'est super sympa, il faut quand même vraiment, vraiment faire attention à ce que vous prenez, et bien entendu, l'erreur humaine arrive vite, hein. On peut oublier de fermer son setup un jour ou l'autre, et voir un individu ou l'autre sortir, et voilà. Bref, je vous laisse profiter des images un instant.
Alors, nous voici ensemble. Je vous ai donc laissé profiter de la première chasse, on va dire, dans son entièreté, que vous puissiez observer également leur comportement, donc qu'elles se rendent compte de ce qui se passe, de la présence d'un individu également, hein, d'une autre espèce qu'elle. Et donc maintenant, je vais vous mettre une série justement de... où elle se, je vais dire, se déchaîne un peu, où elle s'alimente, hein, tout simplement, parce que c'est leur façon de faire pour elles subvenir à leurs besoins. Donc, ce n'est pas dans le but de torturer une pauvre, un pauvre insecte, loin de là, c'est uniquement parce qu'elles ont besoin de s'alimenter comme ça. Et d'ailleurs, certaines colonies d'Arpeniatos ne consomment pas d'éléments morts. Donc, si vous ne mettez pas de vivant à certaines, elles vont tout simplement ne pas manger. Et parfois même se laisser mourir. Alors ça peut paraître stupide, mais c'est déjà arrivé chez certains éleveurs, on a déjà eu des retours à ce sujet. Donc bon, ici je suis plutôt ravi, elles sont beaucoup à explorer, elles sont beaucoup à se balader constamment dans l'air de chasse, ce qui veut également me dire que potentiellement elles ont faim, et en plus de ça, qu'elles sont actives et qu'elles donc, elles ne sont pas trop craintives, parce qu'effectivement les colonies de plus petite taille, vous pouvez, enfin, je veux dire en termes de comportement, c'est totalement normal que certaines soient moins actives et moins au taquet, qu'elles soient plus à l'intérieur du nid et sortent uniquement pour s'alimenter et dans d'autres cas ne bougent quasiment pas. Donc voilà, ça c'est hyper intéressant et c'est aussi sympa d'avoir cette grosse colonie parce que ça me permet de vous montrer plus de choses. Alors bien entendu, par moment, lors des nourrissages, il y a des phases sympas, comme celle qui va arriver, où justement, ce petit grillon se trompe d'endroit, et je suis lui, j'irai pas trop dans cette direction. J'imagine que c'est ce qui a dû se passer dans sa tête à ce moment-là. Personnellement, ça m'a bien fait rire. Bon, voilà. J'espère en tout cas que des gens qui sont un peu plus sensibles ne sont pas tombés sur cette vidéo parce que ce n'est pas mon but hein, de vous faire mal au cœur en soi. Mais je rappelle que c'est comme ça que s'alimentent les fourmis en nature pour certaines. Ce n'est pas le cas de toutes, bien entendu. Hein, notamment, par exemple, les messors. Les messors ne chassent pas, non. Elles se défendent quand c'est nécessaire, mais en aucun cas, elles ne vont chasser des insectes. Hein. Bon, cependant, elles vont les ramasser quand elles le trouvent, comme dans ces conditions-ci. Un insecte mourant, là, les messors vont s'en emparer pour s'en alimenter. Mais elles ne chassent pas. Bref, je vais vous laisser sur quelques images encore. C'est vrai que c'est une vidéo extrêmement longue en soi, qui n'est pas spécialement dynamique. Mon but était surtout de vous montrer un peu le comportement en général, de comment elles analysaient les situations, comment elles observaient les proies, parce que c'est l'avantage avec cette espèce, on peut les voir interagir, on va dire, directement dans leur environnement. Bien sûr, ce setup, je dirais qu'il n'est pas exemplaire non plus dans les conditions de maintien. On peut faire bien mieux, on peut les mettre en pleine terre, on peut faire quelque chose de beaucoup plus optimal, je pense. Ici, j'ai pris le choix de préparer un setup qui me permettra de garder une certaine propreté, de les voir constamment, donc d'avoir mainmise sur ce qui se passe vraiment dans cette aire de chasse, hein, qui abrite justement un nid, etc. Vous voyez un peu l'idée. Donc, c'est pas spécialement ce que je pourrais recommander comme setup optimal, sachant que des setups notamment avec en pleine terre, avec par exemple, je sais pas moi, un nid en sorte de itong ou quoi que ce soit, ça fonctionne très très bien, notamment je pense à mon ami Stéphane qui avait une très très jolie colonie à l'intérieur, et ça se développait parfaitement bien, donc voilà. Cependant, celui-ci avait mis vraiment un setup de ouf avec une lampe chauffante, un brumisateur, etc. C'était un truc de dingue, bref. Mais voilà, c'est vrai qu'ici mon setup n'est pas le meilleur, je vous l'accorde, hein, mais je pense que ça devrait le faire tout de même, après justement avoir mis d'autres éléments comme les cols en bol, etc. Je pense que ça sera nettement mieux. Si vous avez d'ailleurs des commentaires à me faire ou des, je sais pas moi, des notifications importantes sur certaines choses ou me partager votre envie, ce que vous aimeriez voir sur la chaîne ou tout simplement avec cette espèce, enfin bref, peu importe ce que vous voulez me dire, n'hésitez pas surtout, vous le savez, je réponds à tous mes commentaires constamment, donc si vous avez le temps, faites-le déjà, ça aide grandement sur la chaîne, le like également, et l'abonnement, forcément c'est le Graal, hein. En soi,
c'est ma rémunération, vous voyez un peu l'idée, c'est comme ça que je suis récompensé. Quand la chaîne grandit, ben moi c'est plus valorisant pour moi et pour mon contenu, donc voilà, ça fait plaisir. Ici sous la feuille, vous voyez justement, ben c'est là que la deuxième reine niche actuellement, donc comme vous le voyez, il y a quand même encore une vingtaine d'ouvrières à l'intérieur aussi. Enfin bref, j'espère en tout cas sincèrement que cette vidéo vous a plu, elle m'a pris du temps mine de rien. Si ça vous régale, ben vous savez quoi faire. On se dit bien entendu à bientôt pour de nouvelles vidéos, avec d'autres espèces notamment. Bref, il y a du lourd qui arrive encore sur cette chaîne, vous allez le voir, notamment les suivis habituels. Et je rappelle, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Sur ce, on se dit à bientôt l'équipe, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe !